Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Prociné Critique, je me retrouve dans la Melon Mobile, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, pour vous parler d'un film d'animation franco-danois sorti hier en salle et que j'ai vu hier aussi, enfin pour moi c'est il y a quelques minutes, mais comme je sais que je ne pourrai publier cela que le lendemain, pour vous c'est hier. Vous avez compris, je pense, c'est simple comme bonjour. Bref, le second long métrage, un certain Rémi Chaillet qui, il y a 5 ans, avait sorti son apparemment très bon Tout en haut du monde, que je n'ai pas vu, qu'il faudra que je rattrape. Ici, il nous propose Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, que je n'avais pas du tout prévu de voir le jour de sa sortie. J'avais coché plus pour ce week-end, pour fêter le début des vacances, mais quelques imprévus de mon côté m'ont fait changer mes plans et m'ont rabattu, entre guillemets, hein, sur ce métrage que je comptais de toute façon aller voir avec grand plaisir. Et en espérant que quand vous verrez cette vidéo, entre-temps, notre chef de l'État n'aura pas pris des décisions très drastiques à l'encontre des salles de cinéma. Hein, parce que si jamais je vous le conseille, ça serait bien que vous puissiez aller le voir. Vous avez compris, je pense, j'ai apprécié ce film. Et je vais te dire pourquoi. Mais avant toute chose, contextualisons un petit peu cette œuvre. Ici, nous avons quelque part l'origin story d'un personnage mythique de l'Ouest américain, la fameuse Calamity Jane, qui a vraiment existé, même si on a brodé pas mal d'histoires autour d'elle. Ici, on la retrouve enfance, jeune adolescente, au sein d'un convoi de pionniers en direction de l'Ouest. Et oui, en pleine période de la conquête de l'Ouest, hein, au 19e siècle, aux États-Unis. Et elle est en mode un peu garçon manqué. Elle veut porter le pantalon, elle veut prendre des décisions, faire des choses en quête de liberté, d'émancipation, ce qui a le don d'énerver les gens autour d'elle, que ce soit son père, voilà, qui a perdu son épouse, son frère, sa sœur, ça va encore, mais surtout les autres hommes donc du convoi, notamment le chef et le fils de ce chef. Et même avec ses congénères féminines, s'entend pas forcément très bien parce qu'elle pense qu'à se marier et elle, elle a envie de prendre des initiatives, tout simplement. Et nous allons suivre donc cette sorte de rite d'initiation que ce personnage va vivre. Elle va se transformer face à des événements et des péripéties au sein de ce convoi. Et pas que, parce qu'elle va être amenée à rencontrer pas mal de gens, notamment un militaire, un jeune garçon orphelin, une chercheuse d'or, et voilà. Et on va suivre tout simplement son parcours, qui est passionnant, de A à Z, voilà. Ou de A à Y, peut-être. Enfin, passionnant, ça allait de A à Z, c'est clair. Le film est réussi de A à Y. Allez, il est pratiquement réussi, mais j'ai un petit bémol sur la fin. J'essaierai d'y revenir sans trop spoiler. C'est prodigieux. Alors, prodigieux n'est peut-être pas le terme. C'est juste bien fait, beau, magnifique, avec des thématiques puissantes. Voilà un film intelligent qui traite du féminisme sans en faire trop, mais de façon naturelle, en prenant en plus l'exemple clair d'un personnage qui a vraiment existé, qui a dû s'imposer dans un monde assez macho de l'époque, hein, surtout au niveau des cow-boys, de l'armée, etc. Et c'est tellement brillant dans la succession des histoires, de ce qui se passe. Alors oui, c'est cliché, hein, c'est assez cousu de fil blanc de A à Z, mais ça prouve qu'on peut super bien écrire des personnages et toute une forme de péripétie sans forcément aller chercher des risques dans tous les sens, tout en maîtrisant le storytelling, comme je le dis, en nous proposant des personnages forts auxquels on s'attache vraiment. Il y a de l'émotion, mais il y a surtout des moments où on vibre avec nos différents protagonistes. C'est un appel à l'aventure, à l'évasion, à la réflexion aussi de la place de la femme à l'époque dans cette société, mais pas que. Une belle ouverture aussi, c'est assez intemporel. Et moi, je trouve ça fort. Voilà, je trouve ça... En plus, c'est le film que j'ai vu au bon moment. Voilà, pour pas vous mentir, je suis assez fatigué en ce moment. Je n'ai pas passé la meilleure journée, le meilleur début de journée, on va dire, avant d'aller voir cette séance de mon année, clairement pas. Mais là, je me suis posé, je n'ai pas hésité, je suis allé voir ce film et il m'a fait du bien à l'instant T. Alors, on n'atteint pas ici le summum de Ailleurs dont je vous ai parlé samedi dernier, qui m'a bouleversé, qui est mon film de l'année à date. Je vous renvoie à ma vidéo, même s'il est mal distribué, voilà, si un jour vous voulez le voir et que je peux vous donner envie, franchement, j'aurais tout gagné de mon côté. Et bien, pour ce Calamity, je vous conseille d'aller voir si possible, donc, parce que c'est très bien et c'est pour tous les âges. Ça va parler aux enfants, aux ados, aux adultes. Film d'animation intelligent qui ne cherche pas à en faire trop. Les dessins sont pas forcément extraordinaires comme ça, d'un point de vue, du moins très subjectif sur les premières minutes. Mais en fait, ça colle parfaitement à l'ambiance. C'est une sorte de tonalité pastel. Ce film d'animation est une peinture animée, tout simplement.
Et même si c'est assez simpliste, très vite, tu t'intègres dans les décors tellement voilà, ça te dépayse et que c'est bien raconté. Et le fait que le film soit super bien raconté, ben, te fait te dire qu'il est super bien illustré, animé aussi. Et je trouve que voilà, il y a des moments où on voit le ciel étoilé, l'Ouest américain sauvage. Chaque plan est presque une peinture. Certes, une peinture simpliste, mais ça reste assez réaliste et c'est beau, tout simplement. Ça s'intègre parfaitement à l'ambiance et à l'atmosphère de ce métrage. Je ne vais pas détailler tout ce qui se passe, hein, parce que je ne vais pas vous spoiler, mais les aventures sont assez réalistes. Il y a des moments assez durs quand même, même si ça reste assez enfantin, il faut l'avouer. Il y a un moment où il y a des trucs qui tombent dans une rivière, tu te dis « Ah ouais, ils ont quand même osé !» Bon, c'est très simple, c'est très bref, mais quand même. Et puis toutes ces rencontres, tous ces personnages qui sont en mode « je t'aime moi non plus », il y a quelque chose qui se fait au niveau des relations humaines, beaucoup de beaux build-up, très bien menés. Certes, c'est, on va dire, très éculé sur certains points, mais on s'en fiche. Ça a beau être du déjà-vu, là c'est bien fait. Quand le déjà-vu est bien fait, bien maîtrisé, bien enrobé comme ça, avec de belles symboliques et un propos intelligent et brillant à ce niveau-là, sans en faire trop, eh ben on tient là un extraordinaire film. Sauf la fin. Alors, la fin ou l'avant-fin, il se passe quelque chose sur la fin, je ne vais pas spoiler, autour d'une rivière, paf, ça sort un petit peu de nulle part. Alors, on s'attend à ce qui se passe plus ou moins ce qui va se passer, mais c'est très rapide. Alors certes, l'évolution de notre personnage principal peut justifier certaines choses, mais disons que ça fait un peu sorti du chapeau, et c'est dommage, je pense que le film aurait pu avoir 5-10 minutes de plus pour éviter que ce soit trop abrupte comme finale, tout simplement. Même si le final après cette scène-là est bien réussi quand même. Voilà, très très belle fin finale. Mais ce qui amène la fin, j'étais là en mode, oh, c'est précipité. C'est très précipité, c'est un peu spectaculaire pour pas grand-chose. Et ça n'apporte rien en fait. Enfin, ça apporte quelque chose évidemment vu ce qui se passe, mais c'est dommage. C'est c'est la seule précipitation d'ensemble. Alors que jusque-là, le film filait super bien. Mais bon, c'est un tout petit détail, parce que les différents endroits qu'on visite, bah, tout est réussi dans ce que Rémi Chaillet entreprend. Et je n'ai pas parlé des voix qu'on entend, parce que c'est des voix françaises, hein, c'est un film francophone, donc il y a des voix françaises. Et Alexandra Lamy, qui est assez intéressante dans son rôle, d'ailleurs, de chercheuse d'or, hein. Elle n'a pas la tonalité habituelle, donc elle fait super bien le boulot. On a aussi Alexis Thomasian, l'une des voix françaises de Leonardo DiCaprio au casting. Voilà, mais sinon, pour le reste, ils ne sont pas hyper connus. Bref, je crois que j'ai été assez exhaustif sur ce Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, que je vous conseille d'aller voir, si c'est possible, évidemment. Et voilà, c'est pas forcément dans mon top 5 de l'année, quoique il ne doit pas être bien loin de mon top 10, parce que je vais mettre un très beau 8 sur 10 à ce métrage. On va voir comment il va grandir en moi, mais il m'a fait du bien. Il est réussi de A à Z, ou presque. Et c'est tout ce que je demandais à son visionnage. Voilà, j'ai été, somme toute, comblé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.